Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Super Mario Sticker Album Playtime. Voilà, donc là le son doit être un peu mieux. On m'avait dit que le son était pas ouf, alors c'est vrai que j'avais pas mis le casque, maintenant j'ai le casque, donc ça devrait être un peu mieux. Eh bien, ce qu'on va voir tout de suite, c'est justement où on en est dans l'album, puisque bah, pour l'instant on a vu juste des ouvertures d'étiquettes, on a vu des paquets, etc. Et on va voir justement où on en est, ce qui nous manque et pourquoi. Où sont les étiquettes blanches? Où sont les étiquettes rouges? Où sont les étiquettes dorées? Voilà. Et j'ai pris la décision, vous allez voir, de ne mettre pour l'instant dans celui-là que les étiquettes blanches. Je pense que j'en prendrai un deuxième pour les étiquettes rouges et peut-être un troisième pour les étiquettes dorées. Mais ne rêvons pas, elles sont vraiment trop rares. Vous voyez, là, j'avais la une qui était spéciale et donc qui n'est même pas une dorée, qui est une spéciale. Donc voilà. Ça, c'est juste. Bah, ça, c'est Luigi, mais qui est. Parce qu'il y a des holographiques de base, hein, comme vous voyez. Et celles-là, bah, en fait, toutes celles qui sont entourées comme ça, peuvent être dans ces trois versions, donc blanche, rouge ou dorée. Et donc j'attends là d'avoir le taux de blanc pour pouvoir le. Voilà, donc on a avancé. Bah, ça a plutôt pas mal avancé, en fait. Regarde, là, ce sont des étiquettes. Voilà, donc il y a pas mal de choses. Avec tout ce qu'on a ouvert, il y a déjà pas mal de trucs. Et vous inquiétez pas, après, on va ouvrir de nouvelles étiquettes. Vous voyez, déjà des pages quasi complètes. Bah, même celle-là est complète, d'ailleurs. Voilà. Hop. J'ai mis que les étiquettes blanches. Et attention, alors ce que je ne savais pas, c'est que celles qui n'ont pas de tour comme ça, là, comme le 34 ici, en fait, ce sont des grises. Donc ça veut dire qu'elles n'existent pas en variante. Voilà, il n'y a pas de variante. Mais à partir du moment où il y a un contour blanc, ça veut dire qu'il y a une. Et ça, vous avez vu qu'on avait la dorée. Et donc, bah, je vais trouver d'autres panini pour obtenir celles qui nous manquent et faire un album rouge et un album doré. Voilà, c'est la décision que j'ai prise. On se posait la question. Je ne sais pas dans les commentaires ce que vous aviez mis. Puisqu'au moment où je tourne, je n'ai pas les commentaires, la vidéo n'est pas diffusée, donc voilà. Mais n'était pas diffusée, pardon. Donc vous voyez, là c'est pareil, on avait des dorés, etc. Et voilà, donc ça ne sert pas à grand-chose, ces trucs-là, je ne vais pas vous mentir. Mais il y a quand même pas mal, vous allez voir, des métalliques, il y en a pas mal en vrai. Donc là, toutes celles-là n'existent qu'en grise. Donc les doubles vont pouvoir resservir. Et là, on va arriver justement au catalogue central, avec eh bien, que des brillantes, donc les métalliques. Hop, je vous montre ça. On a ensuite les cartes cadeaux. Vous voyez, déjà, c'est vite rempli. Hein. Tous ces trucs-là, voilà, c'est vite rempli. Il n'en manque qu'une seule. Et à l'intérieur, il n'en manque plus beaucoup. Hop, je vous montre ça. Vous voyez, il en manque deux. Donc ça a été très vite, hein, en vrai. Hein. Mine de rien, ça a été très vite. Et c'est plutôt pas mal. Et surtout qu'il y a des doubles. Alors, je ne vous ai pas encore montré les doubles. Et voilà, là, il en manque deux encore une fois. Et vous voyez, bah, en fait, ça se remplit quand même très très vite. Voilà, là, par exemple, il en manque. C'est assez rigolo de voir que des trucs classiques manquent comme ça. Voilà, donc c'est quand même bien rempli avec les deux sessions qu'on a faites déjà. Alors, il y avait pas mal d'étiquettes et aujourd'hui, ben, on va en ouvrir quelques-unes aussi. Vous allez voir, je vous laisse patienter 2 secondes. Et vous voyez, là, on a tout plein et on a aussi l'image de fin. Donc là, même ça, il en manque deux, là. Voilà. Et voilà, donc là, il en manque une. Et l'image de fin. Donc voyez, il y a déjà pas mal de trucs en vrai. Donc ça, c'est avec quelques étiquettes qu'on a ouvertes jusque-là. Et on va en ouvrir d'autres aujourd'hui avec les gros paquets. Alors il y a deux gros paquets comme ça où il y a 50 étiquettes. On va pas ouvrir les 50, on va en ouvrir 25 et 25. Et encore 25, parce qu'en gros, j'ai deux paquets, ce qui nous fera plusieurs émissions. Et on va surtout guetter les étiquettes rouges, mesdames et messieurs, et les étiquettes dorées qui nous intéressent ici. Alors hop! Normalement, on a le petit truc là, on va pouvoir l'enlever. J'espère. Ou sinon, on le fait à l'ancienne, à l'arrache. Allez, alors, c'est bien collé. Hein. C'est très très bien collé. Et non, bah, ça ne va pas s'enlever. Donc, on va y aller à l'ancienne. Allez, on arrache. Et vous voyez, mesdames et messieurs, les fidèles viewers, tous ces paquets de Mario. Eh bien, donc, il y en a 50 en tout. Et pas de carte spéciale, par contre. Alors, ça, c'est. C'est dommage. Pas de carte spéciale et on va en compter 25. Et bah attends, il en reste un. Hop, on va en compter 25. Allez, comment on va faire? Allez, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 et 25. Ça fait déjà pas mal hein, quand même. Hein. En vrai, ça fait déjà pas mal. Donc
Là, je pense qu'il va y avoir du double. On va chercher du. Alors, je vais mettre tout ça là. Hop, je le mets de côté. Je vais mettre tout ça là. Et on va ouvrir ça et on va chercher du doré et du rouge pour voir si ça vaut le coup de faire un album rouge et un album doré. Voilà, parce que les blancs, on en a plein. Alors, les blancs, voilà. Alors, hop, comme je vous disais, ça c'est gris. Donc, ça veut dire que c'est normal. Ça c'est bord blanc, dommage. Métal, je crois que je l'ai. Bord blanc, bord gris. Voilà. Bon, bah, c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, c'est le jeu de la vie. Donc, maintenant. On va essayer d'ouvrir à foison. En fait, c'est pas mal leur truc. J'étais le premier à critiquer leur truc de doré et machin, mais ça rajoute un peu du piment. Mais du coup, il va y avoir du déchet. Hein. Ce que j'appelle le déchet, c'est du double, du triple, du quadruple. Hop, je ne suis pas sûr que je l'ai celle-là, la métallique Luigi Maker. Peach en blanc. Blanc. Et blanc. Voilà, que du blanc. Bon, bah, que du blanc. Voilà. Hop, allez, on ouvre. On va bien trouver. Normalement, c'est un toutes les 10 pochettes. Donc là, on en est à la troisième, notez bien. Et après, c'est un toutes les 20 pochettes en doré. Donc là, on est sur du gris. Ah bah voilà, la carte 1, numéro blanc. Je ne l'avais pas, mais je l'ai. Celle-là, je ne crois pas l'avoir, celle-là. Hop, Mario Maker et Mario et Capi. Du blanc, du blanc, du blanc. Voilà, on a du blanc. Et ben, on va essayer. Nous, on veut du rouge, on veut du rouge, on veut du doré. Voilà, parce que là, avec tous les paquets, normalement, on va avoir du rouge, quand même. Donc ça, c'est du gris. Toadette, je crois qu'on l'a déjà. Daisy, je crois qu'on l'a déjà. Mario en blanc. Mario Grand en blanc. Bon, bah, hey, c'est pas la fête du rouge. Hein. Voilà, c'est pas la fête du rouge, mais bon. Allez, on ouvre tout ça. Où en sommes-nous? Mario Maker. Du métal. Alors, c'est M ou pas ça? Non, ça, c'est le numéro. Celle-là, je l'ai déjà. Celle-là, je l'ai déjà. Et blanc. Blanc. Voilà. Ah, bah, écoute. Il y a des sessions comme ça, hein, c'est pas toujours évident. Vous voyez maintenant avec quelle maîtrise j'ouvre ces paquets. Donc ça fait beaucoup de déchets et c'est pas idiot de prévoir d'autres albums en fait. Ça, je crois que je l'ai déjà avec la pizza. Moi j'aime bien ces doubles images là, voilà. Parce qu'en fait, il y a deux étiquettes, vous voyez, il y a 131, 21B, 21A. Et en fait, ce sont deux petites étiquettes et c'est plutôt pas mal. Ça, on a et. Retrouve cet ennemi, mais bon, bah, toujours pas de rouge, toujours pas de doré. Hein. C'est pas évident. Ah, rouge! Pardon, excusez-moi. Excusez-moi, en plus, je vais éternuer. Pardon. Je suis désolé pour vos oreilles, j'espère que vous n'écoutiez pas au casque. Et bien, regardez le tank rouge. Alors, celui-là, je l'ai déjà. Blanc, blanc, gris et métal. Donc, on a une rouge, on a le. Alors je vais le mettre de côté, voilà, le tank rouge, on l'a déjà, mais je crois que je l'avais déjà le tank rouge. Bah, je regarderai plus tard, voilà. Je regarderai une fois qu'on a fini les rouges, si on les a ou pas, et si ça vaut le coup justement de faire un nouvel album. Donc déjà on a une rouge pour, eh bien on va compter, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est le septième que j'ouvre, il y avait une rouge. On a Luigi, Mario Maker en blanc, alors ça c'est la dernière carte, voilà. Et vous voyez, bah, on a la rouge, on a la blanche, voilà. Eh ben, on va mettre les rouges à côté et les dorés de l'autre côté. Voilà. Donc, toujours pas de doré pour l'instant. Nous sommes à la recherche du rouge. Mais après, c'est. Ah oui, d'accord. J'avais pas pensé. Dans Mario, il y a les pièces jaunes, les pièces rouges et les pièces dorées, forcément. Bah oui, pièces dorées. Bon, du coup, alors, je ne sais pas si ça a été pensé comme ça, mais les fameux 8 pièces rouges qu'il y a dans les niveaux depuis Yoshi's Island, et ben voilà. Donc, Luigi, les bonus. Mario, je ne crois pas que vous l'avez, Mario, et le numéro 1. Et des bonus. Et pas de rouge et pas de doré. Eh ben dis donc. Voyez que pour faire la collection de rouge, il va falloir se lever tôt quand même. Hein. Il va falloir se lever très très tôt. Baby Bowser, du gris, du blanc. Celle-là, je l'ai déjà, du métal, du blanc. Et voilà. Et voilà, toujours pas de rouge. Qu'une seule rouge pour l'instant. Bah écoute, hein, c'est pas la. Hein, c'est pas la joie. C'est pas la joie du rouge. Hein. Voilà, alors ça, on a Boomerang Mario, on a le Mario Party, on a Bowser Marié, tiens, je crois pas que je l'avais, et on a Tanuki Mario, je ne crois pas que je l'avais, et on a Kamek. Alors, magique ou pas, ou Kamek, hein, selon les versions. Et on a que du blanc, pas de rouge. C'est frustrant, non? Eh oui, c'est frustrant. Mais comment fait-on quand c'est comme ça? Bah, comment on fait? Bah, c'est comme ça, on fait rien, et puis on attend. Du gris, du blanc, du blanc. Pauline, ah, elle est classe celle-là.
Pauline en brillante et on a le Bowser en blanc. Voilà. Alors, on a de la brillante. On a, voilà, on n'a pas de rouge. On n'a qu'une rouge pour le moment. C'est pas évident, évident. Allez, hop, on rouvre un peu. On a du métal par la force de l'épée magique gravée dans le métal étoile. On a du gris. Alors, celle-là, je l'ai déjà. Celle-là, c'est du métal. Je l'ai déjà. Du gris aussi. Et un Bowser. Ça doit être une métal aussi qui est dans les M. Ouais. Voilà. Bon, et pas de blanc. Pas de rouge et pas de doré. C'est pas ouf. Mais bon, que voulez-vous, les amis? On fait avec, hein, on fait avec. Allez, on commence par du métal. Là, on va faire 20 paquets et on n'aura pas de doré. Donc, c'est la métal, métal, métal. Alors, 3 métal, en triple métal. Celle-là, c'est peut-être ce qui me manque, je sais pas. Et celle-là, je ne suis pas sûr de l'avoir. Donc, bon, pas mal de métal, mais on veut du rouge, on veut du doré, nous. Qu'est-ce que tu nous fais, là, Mario? Hop, allez, Mario Tanuki, qu'on a vu tout à l'heure, Birdo et Goomba, en gris toujours, en métal, deux métal, celle-là je ne crois pas l'avoir, celle-là. Et ben voilà, il y a quand même de la nouveauté, donc les albums vont vite se remplir, mais alors pas l'album rouge et encore moins l'album doré, hein. Je ne sais pas combien ça va faire de trucs, je ne suis pas sûr que l'album doré on l'ait, hein. Et je ne sais pas si d'autres personnes vont tenter de faire l'album doré parce que ça va être très compliqué. Allez, encore du métal. Hop, du métal. Il est marrant celle-là. Harmonie. Pardon, Peach mariée. Et non. Et voilà, toujours pas de métal. Enfin, toujours pas de rouge. Normalement, on devrait avoir deux rouges et au moins une dorée. Hein. Sinon, c'est de l'arnaque. Hein. Alors, t'imagines les paquets qu'il faut acheter pour avoir les dorés? Alors, on a les bonus. Ah, la Koopa Family, je ne l'avais pas. Celle-là, je ne l'avais pas non plus. Celle-là, je crois que je l'avais. Et non, bah celle-là, voilà, toujours du blanc. Voilà. Ah là 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 là. Allez, il en reste quelques-unes. On ne perd pas espoir. On cherche du rouge. Du rouge, en voici, en voilà. La rouge Toad numéro 1 en rouge. Eh bien, Toad, je l'ai en trois versions différentes. Donc, j'essaierai de vous montrer ça. Et là, on a Bowser. En cadeau, donc pour les cartes cadeaux, on a celui-là, je l'ai encore, le Paratroopa, pardon. Et voilà, donc une rouge, voilà, on a bien deux rouges, qui ne sont pas les meilleurs. Et voilà, donc on attend la dorée. Il est où le robot d'or? Ah non, c'est un autre jeu, ça. C'est pas la même chose. Allez, ils ont bien fait leur compte, hein. Des fois, on espère qu'ils se trompent et tout, et en fait, non. Hop, bah celle-là, voilà, elle est en double, ça sera pour l'album 2. Il y a des triples, des quadruples. Bah lui, on n'en peut plus, on n'en peut plus. Donkey Kong en médaillon, on n'en peut plus de le voir. Allez, l'adoré, l'adoré, c'est laquelle? La carte adorée, la carte dorée, la carte adorée. Alors là, il y a du métal, je vois. Il y a, bah celle-là, je ne suis pas sûr de l'avoir. Celle-là, j'aime bien. Voilà. Luigi. Luigi et métal. Et bah toujours pas de doré là. Qu'est-ce qui se passe? Elle est où la Doraemon là? Hop. Il ne reste plus beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe dans l'espace? Ben, il y a Mario Boomerang, ça on l'a 1000 fois, ça on l'a 1000 fois aussi, et ça on l'a 1000 fois. Alors il y a plein de brillantes, hein. Et voilà, celle-là qui existe aussi, machin, ben, elle est en blanche. Et ben, c'est pas fameux, hein. Pour l'instant on n'a que deux rouges et on n'a pas de doré. Donc c'est vraiment pas la. Hein? On est d'accord, hein. C'est vraiment pas le bon truc là. Donc on a Troopa, on a du gris avec Diddy Kong. Une partie en double, ok. Enfin, en double partie, quoi. Ok. Et Mario qui fait la fête. Et toujours pas de doré. Il reste trois paquets, mes amis. Ça m'étonnerait qu'on ait soit du rouge, soit du doré. Bon, on va essayer. On va essayer. Ah, bah, rouge. Voilà. Au moins, on aura trois rouges. Ça, c'est bien. On a du rouge. Hop. On a des ennemis. Du gris. Du gris. Du Diddy Kong qu'on vient juste d'avoir. De la princesse Daisy et du rouge. Bon, bah, c'est pas fameux, fameux. Hein, pour l'album rouge, il va falloir repasser, les gars, parce qu'on n'en a pas tant que ça. Hop, allez, l'album blanc va être vite rempli, je pense. Mais l'album rouge et l'album doré, n'en parlons pas, quoi. Donc on a Tanuki, Toad et Toadette, Mario et Capi, Bowser en mode vénère, Peach. Alors, il y en a quatre. Peach, pardon, Daisy. Il y a quatre métal, hein, quand même. C'est marrant parce que j'ai l'impression que les métals sont plus faciles à avoir
que les dorés ou les rouges, en fait. C'est assez dingue. Dernier paquet. Y a-t-il ou non dedans une carte dorée? Je ne sais pas pourquoi je prends la voix de Vincent Marronnier. Allez, on va regarder. Une rouge! Ah bah ça c'est bon, ça voilà, du rouge. Hop, du rouge, Mario glacé. Ouais, ça c'est moi en ce moment là. Pourquoi j'ai pas de truc? Hop. Hop. Et une rouge qui est plutôt pas mal. Donc voilà. Donc petit résumé de l'affaire. Ce sont, eh bien, donc tout ça comme paquet. Hop, paquet de blanc et paquet de trucs. Voilà, tout ça. Et en rouge, on en a 1, 2, 3 et 4. Donc Donkey Kong, un plateau de jeu, Toad et le tank. Voilà. Voilà pour les rouges. C'est plutôt pas mal. C'est un peu décevant parce que pas de doré. Et pourtant, on en a fait plus de 20. Donc on va regarder si dans la suite du paquet, eh bien, il y a truc. Donc ça, on se retrouve très bientôt pour la suite. Je vous remercie. N'hésitez pas de vous abonner, etc. Tout ce qu'il faut en commentaire. Allez sur la boutique et tout ce qu'il faut. Et on se retrouve très bientôt pour ouvrir 25 nouveaux paquets. On va espérer qu'il y a du doré, hein. Il y a du rouge, mais il nous faut du doré. Allez, à très bientôt.